Close this door. Come and close this door. Keep inviting and sharing. Abongwa Asalam. Hi. Eyembe Celeste. Asalotu Papa. Asalot, 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 asalot. Keep inviting and share. Bandam, I'm doing great. I'm doing great. I am doing fine, but my heart is bleeding. Why is she? Because I am the female general. That's why I'm in military work. Olivier Olem soit va marier ta grand-mère sorcière. Ici, c'est la révolution. La révolution, c'est pas le mariage. Evelyn Links, asalot you. Asalot, asalot, asalot. Keep sharing. Il y a certains totas qui viennent sur ma page. Vous croyez que ici, c'est la brigade anti-tontina et votre brigade anti-satina que vous mariez là? Ici, c'est la révolution. Et la révolution, ce n'est pas le mariage. La révolution, ce n'est pas le mariage. Ici, c'est la révolution. Oui, pour la restauration totale de l'Ambazonie. Alors, quand tu viens sur ma page, tu viens en tant qu'Ambazonien. Parce que ici, c'est l'Ambazonie et non le Cameroun. Ici, c'est l'Ambazonie et non le Cameroun. Kondji Ibrahim, hi. Kalimba Tsewa. Vieux mère, c'est quel français ça? Moi, je comprends pas. Ok, Nicole Miles, bonsoir. Talclé tous. Good evening, my hero. Talclé tous, chia. De nos laissez, allons-nous nous à tout rideau. Mais à ça, reading small. Najeli Jill, my Aaron sister. I don't say coucou to you back. I salot. I don't go to school. Oh. When I see me, so I school. Some NGO. Pero Sog, et c'est un autre ami read. Ici, c'est l'Ambazonie. Bikokan. 21 gun salot to you, my FBI. You know, c'est un ami, na you be me. I am Bikokan.
Nanga Bondia, my Aaron sister, a donc trouvé salote. Donc, pour tous ceux qui disent que pourquoi tu es ici ou tu portes. Je suis la femme générale de l'Ambazonie et je représente l'Ambazonie. Donc, quand tu viens ici, tu viens écouter ce qui se passe à l'Ambazonie. Ici, ce n'est pas une page camerounaise. Ici, ce n'est pas une page des Camerounais. Ici, c'est une page de l'Ambazonie. Alors, si tu crois que l'Ambazonie n'existe pas, va t'asseoir, tu rêves. Va t'asseoir, tu rêves, parce que l'Ambazonie est un pays. Et vous le savez. Vous avez vu comment à l'Ambazonie, certains femmes ont défilé avec les porte-balles. Ça ne se passe qu'à l'Ambazonie. À l'Ambazonie, seulement. On vient avec les porte-balles. On a deux pays. Un pays où tout va bien. Et un pays où pour venir, il faut se préparer. Un pays où pour venir, il faut déployer tous les militaires et les gendarmes. Ça, c'est ce pays-là qu'on appelle l'Ambazonie. Nous ne sommes... La différence entre les Ambazoniens et les Camerounais. Je vais vous donner la différence entre les Ambazoniens et les Camerounais. Les Camerounais, c'est les peureux. Les brutiers, les sorciers, les prostituées. Mais les Ambazoniens, c'est des courageux. Des vrais courageux. Ceux-là qui disent non à l'injustice. Donc quand vous dites que l'Ambazonie n'existe pas, je tiens à vous rappeler ici que l'Ambazonie s'est levée et ne retombera pas. Si vous croyez que je mens, demandez à Samuel Eto'o pourquoi il n'est plus venu à l'Ambazonie. Si vous croyez que je mens, demandez à vos militaires qui meurent tous les jours à l'Ambazonie. Si vous croyez que je mens, demandez à Mbim Vondo, le père aux couches. Demandez à Tanganji Paul. Demandez à Philomène Yang. Demandez à Mbengon. Qui s'attaque à l'Ambazonie. Tous ceux qui s'attaquent aux Ambazoniens vont écoper. Je donne déjà mon respect à Mbengon du côté de Kondengi. Mbengon, quand il te disait ici là que prends ton argent, tu sponsorises les Ambazoniens. Prends ton argent, tu sponsorises les Ambazoniens. Tu as dit que quoi? Que Paul Biya, c'est ta femme. Mbengon, how market for Paul Biya market? Mbengon, même les femmes de Paul Biya sont métisses à la prison. Tu as beau supporter Paul Biya 50 000 ans. Le jour qu'il te ramasse, il te met à Kondengi, il ne regarde pas. Donc, je vais lancer un appel très fort à tous les ministres qui sont encore au pouvoir. Sponsorisez les Ambazoniens, achetez les armes aux Ambazoniens. Le jour qu'on vous arrête, nous, on va vous défendre. Si Mbengon avait pris l'argent qu'on a retrouvé dans sa maison, donné aux Ambazoniens, on payait les armes. C'est que maintenant, là, comment on l'a arrêté là, non? On rendait le Cameroun inconvénient. Donc, on rendait le Cameroun quelque chose d'autre. Mais comme Mbengon est tellement bête, il nous a appelés terroristes. Il nous a appelés terroristes. Il a supporté Paul Biya. Il a passé son temps à supporter Paul Biya, lécher le bangala de Paul Biya, sucer le bangala de Paul Biya. Son merci, c'est Kondengi. Je lance encore un signal à ces ministres-là. Atanganji Paul. Atanganji Paul, how many times did I call you? You see Mbengon today. You see Mbengon today. Il est temps que vous, ces ministres, vous sécurisez votre futur. Et la seule manière de sécuriser votre position et votre futur et le futur de vos enfants, c'est de sponsoriser les Ambazoniens. Donc, dans la vie, si c'est tu m'aides, je t'aide, ça veut dire que quoi? Nous sommes dans le besoin. Nous avons les compétences. Nous avons le courage. Nous avons les braves soldats qui sont prêts à se défendre. Alors, tous ces ministres-là, qu'est-ce que nous voulons de vous? Nous voulons que vous nous sponsorisez. Nous voulons une alliance avec vous. Nous voulons une alliance avec vous. Ça veut dire que quoi? Vous nous aidez. Demain, quand Paul Biya va dire que opération épervier, on va vous aider. On va vous aider. Ne vous inquiétez pas, on ne doit pas, nous ne sommes pas les traîtres. Nous ne sommes pas Camerounais, les Ambazoniens ne sont pas les traîtres. Si vous voulez avoir affaire avec nous, vous pouvez nous contacter, il y a nos leaders.
idées pour les contacter, vous dites que non, je veux sponsoriser tel montant à l'Amazonie. Le jour que vous serez libre, je vais venir demander l'asile chez vous. On va vous protéger. Donc l'heure n'est plus à votre, comment dire, vous n'avez plus le choix. Parce que la fin, c'est quoi? C'est Kondengi. L'Amazonie est en train de partir. Ça veut dire que dans quelques mois, quand l'Amazonie serait partie, vous tous là, vous tous que vous supportiez Paul Biya, que vous supportiez la guerre à l'Amazonie, Paul Biya va vous prendre parce que vous serez useless. Il va vous mettre à Kondengi. Donc le mieux, c'est quoi? Sponsoriser les Amazoniens. Quand on vous aurez des problèmes, on va venir combattre pour vous. C'est la seule chose qu'il faut faire. Et j'ai aussi certains militaires qui m'ont contacté inbox. Ils m'ont dit, la générale, vraiment, nous sommes fatigués. Nos collègues meurent tous les jours. C'est facile. On vous envoie à l'Amazonie, fuyez seulement. Jetez les armes là, donnez même ça aux Amazoniens, vous fuyez seulement. Parce que l'Amazonie, c'est réel. Donc je voudrais dire, tirer un coup de chapeau à ce vaillant soldat là, qui a fui, il a déserté il y a quelques jours. Et il m'a appelé, il m'a dit, la générale, j'ai pu faire comme tu as dit, je suis actuellement à Dubaï. Donc je tiens à te dire chapeau et je te remercie pour toutes les informations que tu nous apportes. Et je tiens à rappeler à tous les militaires comme lui qui veut partir, que fuyez. Paul Biya ne vous aime pas. Il vous envoie aller mourir. Donc fuyez seulement. Fuyez seulement. N'écoutez pas les anti-tortinards, anti-quoi. Ils font que les bruits. Fuyez seulement pour votre vie. Fuyez seulement pour votre vie. Paul Biya, c'est un vieux père. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à gagner. Fuyez seulement. Donc si on vous envoie à l'Amazonie, là, faites semblant de partir. Arrivez en route, hein. Go na go go. Celui qui veut vous empêcher de partir, vous tirez sur lui à ne partir. C'est comme ça. Go na go go. N'écoutez plus que paix, travail, patrie, quoi là, non. C'est grave. Vos collègues meurent à l'Amazonie. Même les ancêtres amazoniens sont fâchés. Ça veut dire que même mystiquement, dont les voitures font tonneau, ils meurent. Rien ne bloque. Hein? Donc quand vous entrez devant l'Amazonie, vous voyez que bienvenue à l'Amazonie. Un vent seulement bouscule la voiture comme ça. C'est comme ça que vous êtes mort. Donc les ancêtres amazoniens sont fâchés. Les soldats amazoniens sont fâchés. Le peuple amazonien sont fâchés. Nous sommes révoltés. Donc chers Camerounais, chers militaires, je vous supplie, vous êtes aussi les enfants des gens. Vous êtes aussi des enfants des gens. Si vous n'avez pas où mettre vos armes pour fuir, jetez seulement au sol. Enlevez vos tenues, jetez seulement au sol. Partez seulement. Go na go go. Partez seulement. Si vous sortez avec votre carte de militaire, vous partez demander l'asile. On va vous prendre, vous lancer au Canada, aux États-Unis. Vous aurez une meilleure vie. Vous aurez une meilleure vie que d'aller mourir pour rien. Parce que vous mourrez pour rien. Paul Biya s'en fout. Paul Biya s'en fout. Hein? Paul Biya s'en fout de vous. Donc je veux m'adresser à ces Camerounais-là, ces militaires-là, qui croient que en allant tuer les Amazoniens, ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Tu vas aller risquer ta vie là-bas. Voilà ce qui se passe à l'Amazonie. Parce que vous ne tuez aucunement pas des Amazoniens armés. Vous tuez les civils. Vous tuez les civils pourquoi? Imaginez que quelqu'un vient chez vous. Il a un problème avec vous. Il vous laisse, il tue vos enfants. Est-ce que c'est vos enfants qui doivent payer pour le crime que vous avez commis? Est-ce que les innocents doivent payer pour les crimes? Ou alors pour un combat que l'armée amazonienne mène? Non. L'armée amazonienne se défend. Donc si vous voulez vous combattre, vous dites que vous êtes les grands combattants, que vous êtes la grande armée camerounaise, allez donc tuer les Amazoniens. Tuez l'armée amazonienne. Tuez l'armée amazonienne. Tuez pas les innocents. Parce que tous ceux que vous avez tués, les 20 personnes que vous avez tuées, c'est les civils. Ils n'ont aucune arme pour se défendre. Vous n'avez pas de force. L'armée camerounaise, vous êtes des nullards. L'armée camerounaise, vous êtes des totems. Vous êtes des peureux. Hein? Vous êtes des très grands peureux. Comment est-ce que vous pouvez laisser l'armée amazonienne? Vous fuyez pas de tuer que les civils. Vous brûlez que les maisons. Vous combattez les maisons ou vous combattez l'armée. Hein? Vous êtes des bons peureux. Vous êtes
l'armée amazonienne. Fuyez, fuyez votre vie. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Donc ça, c'était pour l'armée camerounaise. Je viens ici m'adresser, le deuxième point, à ces combattants qui font les bruits tous les jours dans mes oreilles. La révolution, ce n'est pas les bruits. La révolution, ce n'est pas quelque chose qu'on fait les bruits sur des ouvertures. La révolution, c'est un plan d'action. Il y a le plan A, le plan B, le plan C. Quand le plan A ne marche pas, vous prenez le plan B. Quand le plan B ne marche pas, vous prenez le plan C. C'est comme ça une révolution. Vous n'allez pas refaire les mêmes choses tous les jours. Les gens sont fatigués. Depuis que vous faites des protestations, quand nous les Amazoniens, je vais vous parler un peu de nous les Amazoniens. How do we get there? Comment est-ce que nous avons finalement pris les armes pour se défendre? Nous avons commencé à marcher comme vous. On a vu que ça ne donnait pas. Nous avons dormi devant les ambassades. Ça ne donnait pas. Nous avons protesté. Ça ne donnait pas. Nous avons compris que le seul langage que Bim Vondo, le président Okouche, entend, c'est AK-47, c'est Tonto. C'est le seul langage qu'il comprend. Alors, si nous voulons vraiment changer les choses, si nous voulons, nous appelons que nous sommes combattants, que nous voulons le changement, comme vous le dites, le plan A a failli. Vos protestations à deux balles sont finies. Vous avez saccagé l'ambassade, on n'a rien réarrangé. Ça ne touche nullement pas Paul Biya. Ça ne touche nullement pas le gouvernement camerounais. Au contraire, ça touche ces innocents qui doivent demander le visa. Ça touche ces gens-là qui doivent rentrer dans le pays. Le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est quoi? Commencez maintenant les villes mortes. Et pour commencer une ville morte, ce n'est pas sur Facebook faire les bruits, non. On ne fait pas une ville morte sur Facebook. Demandez déjà le contact de tous les Camerounais. Ça veut dire que tu as un frère au Cameroun. Toute votre famille, vous prenez le contact. La famille est telle, vous prenez le contact. Donc vous devrez avoir un répertoire plein. Ça veut dire que quoi? Vous envoyez chaque message, effacez, lis et envoie et efface. Lis et envoie et efface. Une révolution se prépare. Ça ne se fait pas sur Facebook. Comment est-ce que vous venez sur Facebook raconter comment est-ce que vous allez attaquer Paul Biya? Hein? Une marche qui doit se faire ne doit pas se faire sur Facebook. Vous devez faire des trucs stratégiques et envoyer ça par message dans toutes les familles. Ce n'est pas toutes les familles qui sont sur Facebook. Arrêtez un peu les bruits sur Facebook. Si vous ne pouvez pas le faire, nous les Amazoniens, on veut faire un partenariat avec vous. Nous sommes prêts à faire le partenariat avec vous. Ça veut dire que quoi? Si vous n'avez pas le courage, achetez l'arme. Nous, on va combattre pour vous. Nous, on a seulement besoin de l'arme, c'est tout. Vous n'avez pas le courage, donc arrêtez les bruits. Cotisez, vous donnez aux Amazoniens, donnez-nous. On va faire le travail pour vous. Donc pour tous ceux-là, pour tous ceux qui veulent faire la coalition Amazonie-Cameroun, pour combattre, pour faire le changement et pour la restauration de l'Amazonie, vous pouvez nous contacter inbox. Nous allons vous dire comment ça va se faire. Parce que l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Le seul langage que Paul Biya comprend, c'est le éke. Tant que vous ne prenez pas l'arme, Paul Biya ne vous prendra jamais au sérieux. Vous pouvez marcher des jours, faire des conférences des années, ça ne changera rien. Il est temps. Si vous voulez vraiment le changement, si vous voulez vraiment que les choses changent, il est temps que vous preniez les armes. Et pour prendre les armes, on ne se lève pas le matin pour prendre les armes. C'est une stratégie qu'il faut demander aux professionnels, ceux qui sont déjà sur le terrain comme les Amazoniens. Alors vous vous rapprochez de nous les Amazoniens et vous nous demandez comment est-ce qu'on a fait et on va vous aider à vous procurer des armes. C'est très facile. Nous, on peut le faire. On peut vous procurer les armes, cheminer jusqu'à ce que ça arrive où vous voulez. Et on combat ensemble. Parce que là maintenant, Maître Ndoki a été arrêté. Quand toi as été arrêté, on arrête les gens tous les jours. Il faut se sacrifier dans la vie pour réussir. Il faut parfois perdre certains trucs pour réussir. Si les Oumniebe et le reste n'avaient pas combattu, nous serons toujours esclaves. On serait toujours en train de nous vendre. Alors les Oumniebe se sont battus et aujourd'hui nous sommes libres. Battons-nous
aussi pour notre génération. Battons-nous aussi pour nos enfants. Battons-nous aussi pour nos petits-enfants. C'est très important et c'est très nécessaire. Et nous ne le ferons pas en allant protester dans la rue à Paris, en France, en Allemagne. Non, ce n'est pas ça le changement. Le changement, ce n'est pas en Europe. Le changement, ce n'est pas en extérieur. Le changement se fera au Cameroun et dans le Cameroun. On arrête tous les gens. Valsero est en prison. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Crier sur Facebook à longueur de journée ne changera rien. La stratégie doit changer. Il faut que les choses changent. Il faut bombarder, il faut changer la stratégie. Il faut montrer à Paul Biya que vous êtes vraiment sérieux. Je parle ici à ma qualité de général. Donc je dis, on a besoin ici d'une coalition ambazonienne camerounaise pour pouvoir changer les choses. Et la seule coalition que nous voulons, c'est AK-47. Donc, c'est le Toronto. C'est comme ça. Quand on va faire un Toronto, vous-même, vous allez voir que l'armée camerounaise va fuir. C'est les peureux. C'est les bons peureux. L'armée camerounaise, c'est les bons peureux. Il faut les voir là-bas au nord, quand Boko Haram arrive. Il faut les voir à Bakassi, comment on les a tués jusqu'à... Si ce n'est pas qu'on allait juger l'affaire de la Bakassi aux autres gens. L'armée camerounaise, c'est les nullards, les faiblards, les totems, les... Donc les peureux, leur force, c'est que les civils, hein. Leur force, c'est les civils. Si vous prenez l'armée, si vous prenez les armes aujourd'hui, move. L'armée camerounaise, donc, vous allez seulement entendre que... Vous allez seulement entendre que le Nigeria est plein. L'armée camerounaise va déserter. Je vous dis... Donc, c'est quelque chose que j'ai étudié. Si vous prenez les armes aujourd'hui, l'armée camerounaise va déserter. Donc, chers Camerounais, je viens m'adresser ici à vous. Parce que je suis de très près vos actualités. En tant que voisine. Parce que moi, je suis ambazonienne. Et pour le fait qu'on ait vécu ensemble un moment comme un et divisible, je viens quand même vous dire que malgré que vous êtes resté calme quand on nous tuyait, malgré que vous nous avez appelé terroristes, malgré que vous avez dit qu'on va tous nous tuer, malgré que vous êtes réjouis des pleurs des Amazoniens, aujourd'hui, je ne veux pas être comme vous. Je veux pleurer avec vous. Je vais vous dire, vous êtes toujours mes frères. Je ne vous déteste pas. Je vais vous dire aujourd'hui, Camerounais, que je vous ai pardonné. Je vais vous dire aujourd'hui, Camerounais, que je ne suis pas comme vous, mais que je suis différent de vous. Je vais vous dire aujourd'hui que nous pouvons mener le combat ensemble, que nous pouvons réunir nos forces et rendre le Cameroun ingouvernable et rendre l'Ambazonie frais. La stratégie est très simple. Vous avez vos activistes et votre président élu en prison. Vous avez vos frères et vos activistes en prison. Est-ce que vous allez continuer à rester les bras croisés? Est-ce que vous allez continuer à ignorer ces gens-là qui sont sortis dans la rue? On a tiré sur eux. Est-ce que vous allez continuer à rester calme? Le boycott de Orange ne suffit pas. Le boycott de Orange ne suffit pas. Paul Biya est milliardaire. Vous boycottez Orange, ça ne touche Paul Biya en rien. Vous boycottez Orange toute votre vie, ça ne touche Paul Biya en rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ici l'unité. Il faut ici l'unité. Si on déserte le Cameroun en faisant le ghost dans tout l'étendue du territoire camerounais, ça a touché Paul Biya. Et comment est-ce qu'on peut déserter le Cameroun? Comment est-ce qu'on peut forcer les gens à respecter le ghost town, la ville morte? Si vous levez un matin, vous tirez un tonto, aucun Camerounais va sortir. Le Camerounais, c'est d'abord un peureux. Le Camerounais, c'est celui-là qui a peur de la mort jusqu'à ce que, si vous connaissez comment on fuit la mort, hein, c'est que le Camerounais ne meurt pas. Si vous levez un matin, vous dites qu'aujourd'hui, lundi, c'est la ville morte sur tout l'étendue du territoire. Vous vous levez très tôt, vous tirez seulement deux balles. Aucun Camerounais va sortir de sa maison. Le Camerounais doit obéir avec la force. Le Camerounais doit... Pour qu'un Camerounais obéisse, il faut utiliser la manière forte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Vous avez lancé les villes mortes, ça n'a pas marché. Vous avez lancé les boycotts, ça n'a pas marché. Maintenant, utilisez la méthode forte. Vous dites que la ville morte, c'est le lundi. Vous vous levez le matin. Tirez seulement pompon dans chaque quartier. Personne ne sortira toute cette journée-là.
Et les militaires vont remplir partout. Comment ce sera possible? À l'Amazonie, nous avons les médicaments qui nous font disparaître et réapparaître. Ça veut dire que vous pouvez aller les, vous procurer de ce genre de médicaments. Vous prenez, vous payez même 5 ou 50 équipes dans tout le temps du territoire camerounais. Et quand vous dites qu'aujourd'hui c'est Ghost Town, aujourd'hui c'est la ville morte, levez-vous très tôt le matin à 6 heures, commencez à tirer un ton, ton, ton. Si les Camerounais sortent, vous venez m'appeler faux général. Parce qu'il faut les imposer. Il faut les imposer. Paul Biya connaît que les Camerounais sont les peureux. C'est pourquoi quand vous sortez dans la rue, ils utilisent l'arme. Quand on a tiré un pot, c'est comme ça que tous les Camerounais ont fui. Il connaît ses compatriotes. Il connaît les Camerounais comme sa paume de main. Il connaît les Camerounais comme bonjour. Alors, comme nous, comme vous êtes Camerounais et vous vous connaissez, utilisez donc la stratégie là pour changer les choses. Oui, Paul Biya sait que si vous sortez dans la rue ici, vous allez fuir. Donc, le Camerounais qui est dans sa maison et qui entend les tirs, il va se coucher en bas du lit toute la journée, il ne sortira pas. Et c'est comme ça que la ville morte sera effective par force. Ici, on ne s'appelle pas général par bouche. On s'appelle général parce qu'on a étudié la révolution. Parce qu'on est ce combattant-là qui est qualifié d'être général. Parce qu'on est ce combattant-là qui sait ce qu'il faut. Qui étudie le peuple. Qui étudie la révolution. Qui étudie le gouvernement. Le gouvernement connaît votre stratégie. Et vous connaissez la stratégie du gouvernement. Ils utilisent leur stratégie pour vous avoir. Mais vous ne pouvez pas utiliser vos stratégies pour les avoir. C'est très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêtez les bruits. Arrêtez de crier. Arrêtez les protestations totem. Arrêtez le désordre. L'heure n'est plus à la rigolade. Si vous croyez que je manque, demandez Samuel Eto'o. Il en sait quelque chose. Il ne peut pas mettre son pied à l'Ambazonie. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête du tout. Il n'est pas bête du tout. Il y a des gens qui peuvent partir à l'Ambazonie. Ils portent les porte-bas et les casques. Parce qu'ils savent que les Ambazoniens minent business. Parce qu'ils savent que les Ambazoniens ne sont pas les Camerounais. Ils vous ont pesé. Ils vous ont vu que pour vous, c'est seulement les bruits. Paul Biya sait que vous n'allez rien faire. C'est pourquoi il ne se gêne même pas pour vous. Le seul problème que Paul Biya a, c'est les Ambazoniens. Si c'est pour vous là, non, il ne vous voit pas. Il sait qu'une seule balle en l'air, on ne vous verra plus. Une seule balle en l'air, on ne vous verra plus. C'est tout. Donc Paul Biya vous a déjà mesuré. Donc le seul problème qu'il lui fait, lui et sa femme, Tumpepe, Chantal Biya, elle a maigri comme une sidéenne. Où c'est le sida? Où elle a marché, elle a baisé les petits garçons jusqu'à attraper sa femme le sida? Je ne sais pas. Mais c'est une maladie, je ne t'en veux pas. Madame Chantal Biya Tumpepe. Je t'ai vu, tu es là comme une squelette. Tu ne dors pas la nuit? Je ne sais pas. Le sang des Ambazoniens que vous tuez là, c'est en train de te ronger. Tu ne dors pas la nuit? Tu as le sida? Tu as quoi? Madame Chantal Biya Tumpepe. Je reviens sur ce que je disais. Paul Biya vous a mesuré. Il sait que pour vous, les Camerounais, c'est une seule balle. Vous allez plus sortir. Même si on crée encore que marche, personne ne sortira. Et vous savez aussi que les Camerounais, c'est les peureux. Alors pourquoi ne pas utiliser cette stratégie-là pour les forcer à obéir? Si vous dites que boycott Orange, 100 personnes boycott Orange, 100 personnes c'est quoi? 100 personnes c'est quoi? Si vous dites que marche, 5000 personnes sortent sur 19 millions, c'est quoi? Mais si vous faites tôt, deux fois, le Camerounais qui sort, vous changez mon nom. C'est très important. C'est ce qu'on appelle une révolution. C'est ce qu'on appelle un changement. C'est ce qu'on appelle un changement. Et pour le faire, si vous ne pouvez pas le faire, nous on est là. Sponsorisez-nous les Ambazoniens, on va le faire pour vous. On le fera pour vous. Parce qu'on a été capable de rendre notre territoire ingouvernable pendant 3 ans.
deux morceaux de sucre ont refusé de se dissoudre. Ils ont dit que là, il n'y a pas un problème d'anglophone aujourd'hui. Ou il n'y a qu'un problème, quoi, je ne sais pas. Donc, chers Camerounais, c'était pour vous. Je ne pouvais pas venir en ligne sans parler de vous. Sans vous donner ma part de participation et ma part de conseil en tant que la générale ambazonienne originaire de Bouda. Donc, je tiens ici à vous rappeler. Pour ceux qui disent que non, on t'aime, viens te... Non, non, non. Je ne veux pas que vous m'aimiez. Je suis fière de moi aujourd'hui. Que grâce à moi, beaucoup de Camerounais s'expriment. Que grâce à moi, beaucoup se sont réveillés. Que grâce à moi, beaucoup ont compris et se sont levés. C'est une fierté. Alors, je ne peux que vous encourager et vous apporter des conseils de temps en temps. Now, that was for Ambazonia, for la Republic of Banana. I'm back to Ambazonia. How can we save our revolution? How can we save our revolution? Fellow Ambazonians, my heart is bleeding. My heart is bleeding because the people of Ambazonia are so foolish. I am sorry to use the word foolish, but I'm forced to use that word. I'm not saying all of them, but some of them. Fellow Ambazonians, can we believe, can we realize ourselves when we are at war? Can we realize that we are at war, that the Abivodog declare war on us? How can we probably accept some terrorist group to eject this our revolution? How can we accept our people to suffer in the bush when some people celebrate birthday? How can we probably keep quiet when our people are suffering in Nigeria, our fighters are dying with their guns? When people are in America paying TV, receiving salary, doing hotel by hotel, bed by bed, basket by basket. I don't talk without investigating. I just done my investigation. I done an investigation and I realize, basket by basket, AK campaign launched by Mark Barata, Eric Tato is another Sako scam. Ambazonians, Sako know we know who he is. Sako know Ambazonians will not contribute in scam everyone. We now all see the report that IG was having financial issues, difficulties. What should they do? How can they do? They turn around, use our strong activists to make sure they scam Ambazonians. Fellow Ambazonians, I'm crying. I'm not crying because I'm afraid we will not succeed. We are already a country. I am crying because up to date, some Ambazonians are still supporting scammers. Some Ambazonians are still castigating a real revolutionary leader. Some Ambazonians are afraid to call Sako to order and tell him to step down. Some Ambazonians are still supporting Sako after all the embezzlement. Some Ambazonians are still following him blindly. Fellow Ambazonians, I have nothing against the IG. But the only problem we have here is Sako. Sako have come to this struggle to scam Ambazonians. Sako have come to this struggle to use our sweat to enjoy himself. I challenge Sako to come and tell us what he do for a living. How did he get the money to pay his house and his bodyguard? How did he do to pay his flight ticket and all the rest? When was the last time Sako went to the church? Sako abandoned the church. He abandoned the church to go and enjoy our money. He have gotten Ambazonian money. So now he knew work. Fellow Ambazonians, be not be fool. Since they are doing county by county, how many AK did they buy?
I challenge them to present to us the AK they buy since they are doing county by county. You are seeing people in their various counties with them guns. I challenge them to show us the money, how they are using the money for county by county. I challenge them to stop the noise, to stop shouting, to stop making noise, and show to Amazonians accountability for county by county. I challenge them to show us only 2 AK per county they bought with their money. They cannot come online and deceive us now with noise. This revolution is not all about shouting. We can shout. I can shout. But if there's no AK on the ground, it's rubbish. If there's no AK on the ground, it's not rubbish. So I challenge the master baby journalist. And he county by county, local government by local government. County by county, aka scam local government by local government. To show me 2 AK per counties. 2 AK. We all know how much they sell AK. To tell people that AK is this amount is easy. But the point is not how much they sell. The point is not where to buy. The problem is how to ship it in La République. How to bring it in La République. That is the problem. So in this particular problem thing, we have to do with specialists. People that know. It's not activist game. AK campaign is not something activists should take responsibility. They are not fit. Activism is not revolution. You are an activist. You are not a rebel. It's only rebel that know how to buy AK. How can you be activist, be rebel? Choose to be rebel and go down. Go on the ground and buy AK. If you want to be a rebel, you can just go on the ground and buy AK. If you want to be an activist, remain an activist. We are done with all these activists. Wanted to be leaders, wanted to. I don't even know. Huh? Okay, you go buy AK. Baby journalist. Now, America, you go buy AK. Send them. So you go buy AK like America to send them on the ground. We not stop this, we not scam. May we not fear God. May we not fear God. I will challenge everybody to do operation. 10,000 AK of Pache. Pache is on the ground. I don't know him. Nobody know him because of security reason. He is on the ground. That is what he has been doing. He's the one giving AK to General IK, all those fighters. Is Pache buying the AK for them? So we have a living testimony. We have somebody that can make a change. We have somebody that can buy AK for everybody. Why can't we rally behind him? Must we always do our own? Okay, SCAF want to do an AK campaign. You already have somebody that have that project. Why would you go to the person and tell him, okay, we the activists, we go do like this, we go work together so that you go deliver AK for all everybody. Why are you people not doing like that? Why are you doing competition or some in a revolution where people are dying? Because you want to eject everything Ambazonia do because Ambazonia don't belong to Wuna. Ambazonia doesn't belong to anybody. Ambazonia belong to all of us. All of us. So you should stop ejecting people's project. Don't try ever say block by block, Wuna come and say county by county. Now so that people go enter, they kill people anyhow. They kill people anyhow. They go, people go to the school, do scam. In a revolution, in a war. When people will copy the money, they say they don't kill everybody in the school. All the fighters in the school, they don't kill them. Why? Because of people want to take glory. People want to say that them get the struggle. People want to say that we, that struggle belongs. Ambazonia is not your property. Ambazonia is not your property, damn it. Ambazonia is not your property. You will not stand up and just wake up and eject anything Ambazonia. No. You will not do that. You will not do that. If you don't, you want the AK, you really want the AK for the people. Why won't you go and see Pache?
You have his number. The number is all over social media. You can call me and say, oh, Pache, our papa, now you launch this thing. How you go take work together? When I was just to come, you make noise. Now so when I carry my chips with my money, give people the some of them, they scam. Because we not overproud. We not know nothing. We not know one give glory to another person. It get to be you. Only you and nobody else. No. It's right time we work together. It's right time we share ideas. It's right time you don't know something, you ask. Ma barata. Have you ever buy gun in your life? Have you ever buy gun in your life? Baby journalist, she's in bottle. Have you ever, apart from your noise, where they can run that newspaper not be gone? Newspaper no be gone. So don't compare newspaper where they Cameroon the Selam and this AK. This AK no be newspaper. This AK no be newspaper. Do you think say that newspaper where they sell to Akana Atangalangia, all those foolish Peter Mapani Mesonge? This is AK we are talking about. It has nothing to do with paper. This AK no resemble paper at all. This particular AK, it no resemble no paper at all. Huh? Baby journalist. Scam master. Gary scam master. The only thing you know. Gary scam master, new paper seller. The only thing you know that to scam. The only thing you know that to scam. Shame on you. Shame on you. Nana say, when they do so, we na dey make noise so, and Bazonia will see believe una. They don't go ask questions, they go just follow una with close eye, close. Wait, it be this? Is it a curse? Is it a curse? Ambazonia will see believe una for waiting. I want to tell Ambazonians. May I talk to women or say, I do not talk. Because I talk my something, later when it come happen, they go see say, I talk. I tell una before say activists was IG people was being paid salary. Una say na lie. He come out. Una no come apologize to me. I tell una say my trip to Goya was scam. Una no believe. Una come know the truth. I'm telling una again today say Mark Barata AK campaign and Eric Baby journalist. Is a scam mastermind by Sako Ikome aka Common Sense. Yes, me, I'm ready for any lawsuit. Though me, anybody can take me to any court. Me, I endorse everything I say. I am a mature person and endorse everything I say. Baby journalist and Mark Barata AK campaign is a scam. Alert! Sako is behind that scam. That is why he no one leave presidency. That is why he no one leave. People are asking, some few people go sit down and say they dismiss Sako. There are some few people that sit down and put Sako there. How can I sit down? How can 20 people sit down and put somebody active interim president? The same 20 people sit down again and remove him now. Ambazonians. Before you ask questions, say who put they don't have the right to remove him. Ask question. Do they have the right to put him? Because today he does not favor you. You go ask question. When they was putting you, he was favoring you. You don't ask question. Say, do you have the right to put me? Shame on Una. I want to just tell Ambazonians, say, if Una want the change, Una want us to go to Boya. Una really want us to get to Boya. I beg. Donate massively to Pache. I beg you na help me drop Pache number. Maybe you na help me drop Pache number. So that everybody will see that Pache number. So may they donate massively. May they donate massively to Pache. Please, it don't bat. I want to thank ADF
for the great job I see the AK mama. Hey! Pache, thank you for the AK papa. You try. Now see the AK. You see the AK mass. Pache, you worry yo. I say today, so I want to come and say thank you to Pache. Papa, you never see AK. Now Pache work oh. He say no one keep money make plenty. So if he receives more money, if he receives money for 2 gun, he dey buy them. He receives money for 1 gun, he dey buy them. He know they keep money because say people, our people don't need plenty money. One AK is better than nothing. So the more he dey receive, in a small small, he go gather buy them. He know they keep money for bank. So he say he put an AK open as on 10,000 AK. He tell me say he no one keep money. Say na AK. So one AK is better than nothing. If they come to a camp, people have 2 good AK. It's better than nothing. So I want to personally thank Pache for the great job. I want to beg all the women, all Ambazonian women, I beg my women, my mothers, my sisters, my wives, our children are dying back home. Do not be blamed by scammers. We have given a chance to my trip to Sawari. My trip to birthday, they have scammed us. It's right time we use the opportunity and give the opportunity to another person. And I think that particular person is Pache. Let us give him the opportunity to arm our boys. Let us give him that mandate. Let him arm our boys. That is the only way forward. Fellow Ambazonians, I am not going to stay long. I just come to tell you now that the Pache campaign is the best thing that ever happened to Ambazonians. If you really want freedom, if you are tired to bury your children, if you want La Republic out of your territory, if you want to go Boya this year, put hand for pocket. Phone, call Pache or see the see Pache number, call him. As I'm saying, how I go do. Any amount you give, we change this struggle. We take this struggle to the next level. Our people, our fighters, don't need your tears. They don't need to say thank you. They don't need your thank you. All they need is AK. You can make them proud today. You can encourage them. You can tell them thank you by donating an AK to Pache. I want to tell Ambazonians to reason with their brain. They come with county by county, we donated. Until today, we don't see any AK. Now only noise. So I want to thank everybody that donated to Pache and people that will listen to me and donate again and tell Una say, that is the way forward. Forget the TV. Forget the propaganda. Forget the sabotage. Good things are not popular. Good things are not popular. Popularity is always bad things. You can see how Probia is so popular in Cameroon because it's a bad seed. Good things are not popular. So I want to tell Ambazonia to stop following popularity. Follow the winning team. Follow the reality. Follow people that mean well for the struggle. Follow people that have been in this revolution with heart. People that the Republic can never brought. Don't follow people when they stop contributing to them, they will go collect the money for the Republic to sell the struggle. Follow people that are in this struggle with their own heart. And I can assure you now, say Dr. Akwanga, Dr. Cho Ayaba are really the men for this revolution. All those pastors are just some smart thieves. They are just there today. If we don't contribute to them anymore, they will go sell this struggle. They will sell this struggle for money. Because what they are after is only money. So they let us give the chance to the revolutionary leader, Dr. Ayaba and Dr. Akwanga. Pache, you are doing a great job. Please donate massively for Pache. Maybe buy a gun for we brothers, for we fighters, for we son, for we children. I am a mother, I am talking as a mother.
I'm talking as a wife. I'm talking as a sister. I'm talking as a daughter. Because I know what it takes to carry 9 months. I have 2 children. I know how to carry 9 months, how to push. How it's so painful. So, please, don't be following popularity. Popularity will not take us nowhere. Popularity is not going to take us to Boya. Popularity is not going to take us to the next level. Popularity is going just to kill all of us. So fellow Ambazonians, you see General Ike on his feet with plenty guns, all thanks to Pache. You see today ADF, where they want to sabotage with AK on the ground, is still Pache. So you can change the things, you can make the things work by donating massively. I want to thank all Ambazonians for your support, for your kindness, and I want to say continue, don't be scammed. Don't follow the AK scam campaign of baby journalists and Mike Barata. Is Sako behind that? I have the fact. Is Sako behind that? Because they need to pay TV, they need to celebrate birthday this year, they need to go to Sawari, and they need Ambazonians' money. So do not give us their money. Do not give them our money for them to go and celebrate birthday and buy hotel and go to Sawari. We are going to Ambazonia, and I want to tell all Ambazonians to remain focused. Our goal is Boya. Forget those noise makers. Forget those Republic of Sawari. Let's focus on the goal. Let's focus on Grand Zero, because Grand Zero is the way forward. I want to appreciate everybody for watching me. I want to appreciate everybody that shared. And I want to thank everybody and tell Wuna say, I love Wuna plenty. The struggle have just started. We are going to make Ambazonia a contender. Happy Sunday to everybody. I want to thank my fighters on the ground, my people in Kondengi. Please, I hear your cries. I hear your difficulties. I want to beg every Ambazonian that have a possibility to send something in Kondengi to our people to do so, please. Our people are in Kondengi crying. Things is not going well for them. They also really need us. So anybody that is moved can do something for them. So fellow Ambazonians, the struggle continues. Bye.